Bien-aimés dans le Seigneur, nous comptons rentrer la Kairos Soya, ses serviteurs Jean Abel Pierre qui est rentré dans le salon la Kairos, sous cabanon cotoyer, et nous dit Seigneur merci qui rend les possible pour nous passer un autre moment dans la présence li. Jeudi en ce dimanche 14 août, et Jean nous connaît li dans le Sayo à partir de 9h, c'est l'heure côté nous plonger dans la présence bon Dieu. Soit à travers en parole de connaissance, en parole de sagesse, la méditation de la parole de Dieu, soit à travers des cantiques pour nous tremper dans nous, une façon pour nous ressourcer nous pour une nouvelle semaine qui a commencé. Nous contents de ce que vous fait nous honneur, bien-aimés, pour participer dans ce moment ça, côté ensemble nous capables de grandir. C'est Seigneur qui fait grâce. J'en aurais même dit au lit, toute grâce excellente vient de Dieu. Et nous-mêmes qui sommes récipiendaires de grâce, nous-mêmes qui recevons ça le bail gratuitement, attitude seulement nous qu'a gagné, c'est une attitude de reconnaissance et de remerciement à notre Dieu. Jodi an, nous pourrons gagner une chance de parler d'un sujet qui est absolument important dans la vie chrétienne. C'est un sujet où besoin gagne une saine théologie sous lit, où besoin gagne une saine doctrine sous lit, et pour moi c'est un sujet qui est fondamental. En tant que chrétien, nous pas doué gagne une perspective qui pas correct sur sujet à soya. C'est ça que fait me prendre un petit temps pour moi partager avec nous ça Seigneur a metté sous cœur à partir de paroles lit. Et si vous gagnez chance, nous t'a souhaité vous suivre avec moi jusqu'au bout. Comme d'habitude, nous pas supposé très long. Cependant, on apprend le temps qu'il faut, bien aimé, pour nous traiter sujet ça qui est très très important. Avant même moi annoncer li, nous t'a aimé recommander nous tout. Après, tout de suite après, moment de méditation ça, pour nous t'a passé un temps, s'il t'est possible, un temps de prière. Nous lever devant trône bon Dieu Timounio qui a retourné l'école ici aux États-Unis. Encore une fois, je dis en ces 14 août, à partir de mardi, si bon Dieu voulait, Timounio a retourné l'école, mardi cap 16. Demain lundi en général, son temps d'ouverture pour professeur Yo prend contact avec Timounio, mais pas vraiment gain l'école. C'est à partir de mardi l'école l'a commencé. Donc, et, ou même qui a l'opportunité, étant des temps ça, participer avec nous, nous inviter ou, tout de suite après la méditation pour ta rejoindre nous dans un moment de prière. Au moment de prière, dans la même séquence ça, dans la même audio ça, tout de suite après la méditation, pas faire, mais nous pourrons intercéder devant mon Dieu couvrir Timounio, pour les protéger, pour les surtout faire gagner nos craintes. Quel que soit côté au passé, en tout cas pour ça qui en a joué, qui comprennent, vous aurez été dans la ligne. Pour de telle sorte que si vous êtes exposé à de mauvais enseignements, de mauvaises doctrines, de mauvaises influences, pour bon Dieu éveiller l'esprit, vous connaissez les mauvaises influences, pour vous être loin. Alors c'est dans ce sens-là, bien-aimé, nous pouvons prier après méditation. Espérer dans le confort caillou, chambre ou abjoindre un petit temps pour faire prière ça avec nous. Mais si on te promet au lit, nous allons parler d'un sujet qui est absolument important. Question à ce stade, c'est qui sujet lié qui est important comme ça? Nous allons parler après-midi en bien-aimé de souffrance. Et question, c'est une question qui est simple. Qui sens souffrance gagne dans la vie en chrétien? Qui sens souffrance gagne dans la vie en chrétien? Ma ap invite ou sou capable li passage sa avec moi, ma pli trois passages. Premier passage, c'est dans Jacques 1er, verset 2. Mais comment nous lit les bien-aimés? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Deuxième passage d'appli bien-aimé, c'est dans 2 Timothée 2, le verset 3. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et dernier passage d'appli, bien-aimé, c'est dans Matthieu, au chapitre 16, d'appli, verset 24. Matthieu 16, verset 24. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui sens souffrance gagnée dans la vie d'un chrétien? Qui sens souffrance gagnée dans la vie d'un chrétien? On a parlé de souffrance, bien-aimé. Moi, presque certain que nous tous qui attendons méditation ça, nous exposer déjà à un niveau ou bien à l'autre de ça nourrir les souffrances. Nous connaît plus ou moins un certain niveau de souffrance et presque certain que tout le monde qui vit à un certain moment dans vie est exposé à souffrance. Souffrance, bien-aimé, ça lui fait partie intégrante de la vie, nous, en tant qu'humain, en tant que monde qui vive, tout le monde, quelle que soit religion, quelle que soit ratio, quelle que soit espace géographique qui vive, dans quel que soit pays, yo exposé à un niveau de souffrance. Évidemment, il y a une souffrance qui a un droit plus intense passé en l'autre. Il y a une souffrance qui a un droit beaucoup plus insupportable que l'autre. Cependant, pas gagner une créature, pas gagner un être vivant qui a dit lui-même, il est complètement à l'abri de souffrance. Complètement à l'abri de souffrance. Donc, en d'autres termes, si nous avons fait une présentation générale, nous avons dit tout le monde est exposé à la souffrance. Et oui, même le chrétien, celui qui est né de nouveau, celui qui est entré dans la nouvelle naissance, lui-même tout, lui connaît sa yorile souffrance. Cependant, nous prenons le royaume soya bien-aimé, pour chrétien en lui-même, souffrance a un sens profond. Pour le chrétien, souffrance lui vle di yon bagay, et souffrance l'an doit conduire vers yon bagay. Et c'est ça, tout simplement, nous prenons l'essayer, ouais. Premier texte nous te liant, c'est dans Jacques 1er, verset 2. Jacques, qui c'est auteur lettre ça, lui écrit dans verset ça pour le dire, pour tout le monde qui a servi bon Dieu, pour yon ouais dans souffrance, yon bagay yon recevoir tant coup, yon te recevoir avec joie. Bon, li texte exactement j'en dis, pour ne pas t'attorder couli, texte dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Regardez comme un sujet de joie complète. Je vous dis, tout le monde confronté à souffrance, le terme épreuve que Jacques utilisait dans le texte, c'est un terme qui a traduit par souffrance. Une épreuve, c'est tout simplement une situation difficile à traverser. Et dans l'épreuve, ou qu'a gagné différentes attitudes. Ou qu'a fait face à une épreuve, il y a un moment d'adversité, il y a un moment de difficulté qui conduit à un type de réaction. Réaction moi-même par rapport à une épreuve, pas même réaction à un autre monde. Chaque monde doit avoir une réaction par rapport à un temps difficile à traverser. Cependant, bien aimé, Jacques fait un appel pour le dire nous. Nous-mêmes, nous ne pas chrétiens pour nous considérer tant qu'un sujet de joie, différentes épreuves nous ont fait face. Considérer tant qu'un sujet de joie.
Donc, l'un nous t'a exposé à souffrance, nous devons considérer le temps qu'on sujet de joie. Et dans le texte, ça, moi-même, l'apôtre y insistait pour dire les diverses épreuves, gagner divers types de souffrances, divers types d'épreuves. On sort d'énumération. T'as regardé quelle qualité souffrance nous a enduré dans la vie, ça, bien-aimé. Ouais, en gros, gagne 7 grandes catégories de souffrance. Ou gagne une souffrance qui vient de maladie. Une maladie qui conduit à la perte de notre chair. Ou gagne, par exemple, de monde qui souffrit le fait que ils recevoient un pronostic de docteur. Un bagage qui était complètement inattendu. Yo te gagne yon zami, yo te gagne yon proche parent, yo te gagne yon mari, yon madame, yo te gagne yon timoun. Et puis yon diagnostic qui tombe sous santé. Et puis docteur seulement dit yo, timoun sa, madame sa, mari sa, soeur sa, frère sa, li seulement gagne yon certain nombre de temps pour le vivre. Gagne yon angoisse qui accompagne yon annonce comme ça. Une maladie qui conduit à la perte d'un être cher ou gagne double souffrance. Dans le moment où on a subi maladie physiquement ou a suivi mon nom cap pas fini dépendamment de maladie. Mais le plus dur dans tout ça, c'est que où qu'on est maladie ça l'a conduit vers la mort. Où qu'on est selon sa docteur en dit mon nom li pas survivre à épreuve ça, à maladie physique ça. Ça, c'est une cause de souffrance. Ils sont cause de souffrance qui dure, ni pour les gens qui subit maladie, hein, ni pour les proches qui vivent. Je ne sais pas si nous avons une espèce de niveau sous souffrance, qui souffrance qui plus dure. Mais je pense que qualité souffrance, ça, bien aimé, c'est peut-être une parmi les plus dures. Imaginez un moment qui a regardé comme une petite fille, petite garçon. L'a regardé comme un timoun ça, il recevoir pronostic ça, qu'on est que timoun ni en que le remet en pile là. Il pas survivre à maladie ça. Nous pas jamais qu'a fin représenter nous profondeur souffrance ça pour maman ça. Et moi rester quoi c'est peut-être une dans souffrance qui plus dure bien-aimé. Oui, si c'est vous même qui recevoir pronostic là. Oui, il est dur pour vous. Mais m'a imaginé pour cet un parent qui recevoir pas pour tête li mais pour petite pâle. Pas qu'à imaginer profondeur souffrance ça. Ça c'est une souffrance terrible. Ça sont premier dans toute catégorie de souffrance yo. Ça c'est une dans la dans yo moins concevoir une souffrance qui découlait du fait que on connaît moun sa kore men, li frappé par yon maladie kap mené la la mort. Deuxième catégorie de souffrance, c'est sa nou rele accident yo. Gen de accident, de tragédie qui rive nan vi yon moun. Ou gen par exemple des accidents de voiture comme nous même nap vive nan tan sa kote nou très mobile. Accident de voiture. Ou gen droit gen de l'autre type d'accident. Mais nan accident sa yo, soit les conduit à la mort subite de moun sa au terrain main ou bien les conduit ou même qui t'ai fait partie de l'accident à perdre en habilité physique côté gagnant. On connaît de moun qui participait dans un accident qui t'ai vive un accident qui pas vive même moun encore soit yo perdu nan membre yo nan membre physique yo yon pied yon main yon bras pas connaît. Mais accident qui te yon conséquence physique sou moun nan. Soit son accident qui pote yon moun ou te konnen ale. Sa yo bien aimé, c'est de bagay qui créent souffrance. Les accidents de bagay qui rivaient de manière imprévue. C'est donc yon deuxième catégorie ou yon troisième catégorie de souffrance. Souffrance qui vini bien aimé de yon tragédie naturelle. Tragédie naturelle. Songez en 2010, tremblement de terre qui t'est frappé nous-mêmes en Haïti.
que ce soit tremblement de terre, que ce soit, bien aimé, de tragédie, ou même personnellement, ou pas qu'a fait rien contre lui, et qui pas frappé seulement yon monde, qui frappé yon groupe de monde en même temps. Ça yo, bien aimé, c'est un autre type de souffrance, troisième catégorie de souffrance, les tragédies naturelles. Ou bien quatrième catégorie de souffrance, bien aimé, c'est une souffrance qui découlait de yon acte criminel, yon monde commettre sous yon monde. Soit c'est yon proche, encore une fois, soit c'est yon connaissance, mais yon bagay quelconque qui pral quitter yon séquelle sous sa qui rete derrière, ou bien si sous moun nan même, si d'aventure li pata mouri, yon acte criminel, li ka créé souffrance. En général, yon créé souffrance. Ou ka pensé à yon tentative d'assassinat, ou ka pensé à yon acte de viol sous yon fille ou bien sous yon garçon, ou ka pensé, bien aimé, à deux actions. Yon nom posé sou yon lot nom, yon moun posé kont yon lot moun. Sa a tout, bien aimé, c'est yon source de souffrance. C'est yon source de souffrance. Cinquième source de souffrance, ki li même ka peut-être pi diffus, li pa paraître, li pa manifester clairement, mais qui quand même là. C'est yon souffrance qui découlait de sentiment de mépris, sentiment de rejet ou de trahison. Yon moun ou te fait confiance ou te fait un certain crédit, tout au moins pour moun sa li violé crédit, hein, li violé confiance ou. C'est moun sa qui trahit ou c'est moun sa qui méprisait ou c'est moun sa qui rejetait ou. Ça a tout son type de souffrance qui ka atteint ou nan moun ou yé, hein. C'est une souffrance qui plus gain rapport à psychologie ou. Et très souvent, souffrance sa yo kon créé maladie dans corps, li commencé avec l'esprit ou gens moun nan li trahi ou gens le rejeté ou gens le méprisé ou. Et puis à partir de ça, gon maladie qui pral créer dans corps tellement bagalan li bouleversé ou. Ça a son type de souffrance. Gon l'autre sixième catégorie de souffrance, c'est souffrance qui est liée à la perte de ce qu'on a possédé. Ou tu travailles dur pour réaliser quelque chose. Ou tu travailles dur pour tes un minimum de vie. Et bien tout d'un coup, un bagage qui passait ou perdu tout ce que tu possédais. Il y a une souffrance qui accompagnait mes bien-aimés. Dans notre cas, encore une fois, en Haïti, on vit de périodes côté. C'est en pile famille qui quitte kayo, qui quitte demeure yo, gen qui fin fait vie ou travail ou investi pour yo construire yo côté pour yo abriter yo. Yo te dit dans tête yo, y a travail dur à l'extérieur. Cependant, le a fini vieux jour au moins y a reposé au la kayo. Il se trouve que à cause de situation qui gagne dans pays nous, insécurité, criminalité, banditisme, yo obligé abandonner toute bagaille. Gagner même c'est bandits qui mettent au dehors la caillou. Donc perspective yo bien-aimé yo vin noirci. Moun nan ki te travail dur pour ça te posséder, li perdu toute bagaille du jour au lendemain. Ça c'est une source de souffrance. C'est une source de souffrance. Gagne l'autre souffrance encore lui-même, dernière catégorie. C'est souffrance ça bien-aimé qui lié à mounouye intrinsèquement. Leur ou perdu yon sens de identité ou gen moun bien-aimé kap bataille avec la perte de l'estime de soi. Moun nan perdu confiance nan tête li. Moun nan li non espèce de lutte, li senti l pa vo rien. Li senti estime li ta dwe gen pou tête li, sa pa existé. Moun nan senti li a te plate. Ça a son forme de souffrance. C'est pas chercher. C'est pas un bagay, un travail la fait sous tête li. C'est juste que peut-être à partir de situation li vive, moun nan vin gen yon vrai problème pour le kwen nan tête li. C'est un autre type de souffrance.
toute qualité souffrance sa yo, tout type de souffrance sa yo bien-aimé, yo gen yon seul cause en réalité. Yo gen yon seul cause de façon générale et m'apprenant pour m'expliquer pour qui ça attitude nous par rapport à souffrance yo, yo dwe vini de compréhension nous, de cause profonde, tout type de souffrance sa yo. Moi sou dresser li sa encore ba ou, 7 catégories de souffrance qui touchait tout le monde, que ou c'est chrétien, que ou c'est païen, que ou c'est monde qui n'en relation avec Christ, que ou c'est monde qui poko connaît bon Dieu. Tout le monde yo exposé à souffrance sa yo. Et là qui te me font parenthèse qui très important mes bien-aimés dans le Seigneur par rapport à l'évangile qui t'a voulu faire croire l'on c'est chrétien ou c'est un monde rien pas qu'arrivé ou on l'évangile qui t'a voulu faire croire chrétien lui-même li pas qu'a fait accident yon l'évangile qui t'a voulu faire croire que le chrétien li pas qu'a tomber malade maladie cancer pas faite pour chrétien. Yon l'évangile qui t'a fait croire l'on c'est chrétien même si ou qu'on baï bon Dieu dans son possédé ou mettez son possédé au service de Dieu ou qu'a perdu le tout. On l'évangile qui t'a fait croire donc que l'on c'est chrétien ou pas qu'a perdu son possédé. Yon l'évangile qui t'a fait croire criminel pas qu'a attaqué chrétien. Bien-aimé qui t'aime dou avec toute humilité que ça c'est pas la parole de Dieu. Le chrétien vit dans ce monde. Le chrétien est exposé aux effets du péché dans le monde. Si on monte à dire parce qu'on c'est chrétien ou bon espèce de passe privilégié, bagay ça ou pas qu'à atteindre ou qui t'aime dire en vérité, l'évangile ça sont l'évangile qui anathème. Ou même tout en tant que chrétien ou exposé. Ou même tout en tant que chrétien, mauvais maladie qui a tombé sous vous. Ou même tout en tant que chrétien ou qui a victime de yon acte criminel, yon moun posé. Mais oui, ou même tout en tant que chrétien ou qui a perdu yon timounou dans mauvais condition. Ça qui arrive en tant que chrétien. Ça qui arrive en tant que chrétien, m'a pas voulu nous gain aucun doute sous question ça yo. C'est ça que fait le chrétien bien-aimé. Relation le gain avec bon Dieu son relation pour le dire Seigneur, moi recevoir toute faveur fait mieux. Continuer fait me grâce. Lors où sorti ou entrer, c'est une grâce bon Dieu fait, son faveur de Dieu. Parce qu'on va vivre dans monde ça ou exposer tout au péché qui gagne dans ce monde. Les conséquences du péché yo affecte tout. Certainement, chrétien li ka prié pour le mandé bon Dieu faveur spéciale. Certainement, le petit chrétien malade li doit intercéder pour le mandé bon Dieu yon intervention. Mais c'est pas parce que chrétien li à l'abri. C'est pas parce que sous chrétien pas doit malade. C'est pas parce que sous chrétien petit ou pas gain droit exposé. Nous même tout bien-aimés en tant que chrétiens nous exposer à bagay monde ça les effets du péché dans le monde et c'est ça qui mène nous dans premier point fondamental sous question souffrance là la doctrine chrétienne de la souffrance faut qu'on comprenne ni bien doctrine chrétienne de la souffrance lui dit toutes sortes de souffrances nous qu'à exposer avec lui. Tout ça yo découlé bien-aimé du péché. Le bon Dieu t'a créé toute bagaille. Le bon Dieu t'a créé moun, il t'a placé yo dans le jardin d'Éden. Moun t'es supposé vivre bien. Nous pas supposé exposé à bagaille négatif ça yo qui affecté nous. Mais à partir du moment péché rentré dans monde là, péché créé désordre, péché créé désharmonie. La paix qui t'a régné, l'y changer en conflit. Donc, toute bagaille n'a vive comme effet négatif péché yo affecté nous tous en tant que chrétiens. Donc, premier bagaille dans la doctrine chrétienne de la souffrance, bien aimé pour comprendre, qui pourrait permettre qu'on ait qui sans souffrance gagne dans la vie chrétienne.
c'est que cause générale souffrance, c'est le péché. Cause générale souffrance, c'est le péché. Maintenant, une fois qu'on finit dit ça, on comprend que en tant que chrétien qui gagne une nouvelle naissance, qui n'ont relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, ou qu'a mandé bon Dieu faveur pour effet péché à dans la vous les diminuer, ou qu'a mandé bon Dieu faveur pour le boy une certaine protection, mais là encore, c'est pas un bagage que bon Dieu bon garantit ou a gagné automatiquement parce qu'on est chrétien. Il n'est pas automatique parce qu'au chrétien, on n'est pas besoin de malade. Si on monte à tout ça, on met d'il, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Le moins lit dans 2 Timothée chapitre 2, ça permet de moi venir dans le deuxième passage noir. Nous gagnons l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un serviteur de Dieu. Il y a un monde, bon Dieu, utilisé pour porter la bonne nouvelle vers les païens. J'en lis même l'apôtre Paul, il remet présenté tête li, l'apôtre des païens. À travers le ministère de l'apôtre Paul, l'évangile touché, un paquet de monde qui pas supposé qu'on est bon Dieu. Il se trouve que cet homme bien-aimé, que bon Dieu utilisait pour faire de bagailles extraordinaires, eh bien, lui-même tout, il était exposé à souffrance mondelant. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, côté nous saute li, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, l'a dit Timothée qui s'est censé petite li dans la foi. Il dit Timothée, souffris avec moi, tant qu'il y a un bon soldat de Jésus-Christ. Souffris avec moi. Ta remet sous ta gon Bible n'importe le gon titan. Allez 2 Timothée 2, verset 3. Et dans verset 3, prends le soin pour souligner. Souffris avec moi. Nous t'arrêtons de comprendre ça, ça veut dire. L'apôtre Paul était capable d'écrire Timothée pour le dire l'autre bagaille par rapport à la souffrance. L'apôtre Paul a écrit 2e épître Timothée alors que le retrouvait en prison. Il retrouvait en prison à Rome pour une seconde fois. Nous n'en année 64-67, yo, comme ça, selon ça. Chercheur yo fait qu'on est. Apôtre Paul a écrit, sauf que fois ça, il est en prison. Ou gain impression l'apôtre Paul senti, il est pas sorti vivant cette fois-ci. Ou gain impression l'apôtre Paul anticipé bien-aimé que fois ça soleil la gain pour le coucher sous ville. Et donc l'a écrit à Timothée pour le dire côté mia là Timothée, gon seul bagay m'a demandé yo. M'ka en peine, c'est vrai. M'ka souffri, c'est vrai. Mais gon seul bagay m'ta remo kembe. Côté mien, ou pas besoin honte moins. Ou pas besoin penser, regardez l'apôtre Paul qui t'a servi le Seigneur. Regardez gens yo mettel en prison et éventuellement yo pral touyel. M'pa vlo penser ça. Timothée, m'pa mando pour prier pour bon Dieu libérer m'en prison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en ce moment, Timothée. Remarquez, mes bien-aimés, l'apôtre Paul te qu'a dit Timothée, priez pour bon Dieu soulager souffrance li. Li pas mandé Timothée prier pour bon Dieu soulager souffrance li. S'il t'a fait prière ça, c'est en prière légitime. C'est en prière que le t'a gain droit fait. Li t'a gain droit mandé Timothée pour prier. Puisque bon Dieu t'est fait déjà, bon Dieu qu'a retiré le dans prison. Cependant, c'est pas seulement de Timothée pour faire. Il n'a pas dit Timothée, prier pour me gagner force, pour me supporter souffrance. C'est pas même ça le fait. Là encore, il était qu'a demandé Timothée pour Timothée aller joindre les autres frères, les sœurs de la foi, pour demander aux prier, de façon pour lui-même, l'apôtre Paul, capable de gagner force. Pour le faire face à souffrance là. Mais c'est pas ça le mandé Timothée fait. Qui ça le mandé Timothée fait? Lui mandé Timothée pour Timothée souffrir avec lui. Souffrir avec lui. En d'autres termes, Timothée ouvrit bras pour accepter souffrance. Ça m'a enduré avec moi. Pas essayer chercher échappatoire. Pas essayer chercher Timothée
yon bagay ki pou fò bliye soufrans lan. Pa eseye renonse a soufrans lan. Timote, mwen invito pou vin soufri avèk mwen. E koman pou fèl Timote? Fèl nan perspektiv yon bon soldat de Jezikri. Soufri tankou yon bon soldat. Et l'apôtre Paul, bien aimé, inspiré par l'Esprit de Dieu, li pral eksplike Timote sa sa vle di pou soufri tankou yon bon soldat de Jezikri. Le li di, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. En d'autres termes, l'apôtre Paul a dit Timothée, sous ces soldats de Jésus-Christ, pas perdu perspective, pas perdu perspective, souffrance gagnée dans la vie ou en tant que soldat de Jésus-Christ, pas embrasser une perspective terrestre de la souffrance, pas embrasser une perspective terrestre par rapport à ça qu'a privé moi-même l'apôtre Paul, pas mettre dans tête où moi-même l'apôtre Paul, je suis en prison. Je suis dans les fers et son bagage négatif qui rivait. Mais au contraire, Timothée, souffris avec moi parce que c'est seulement à travers cette souffrance commune que ou qu'a fait plaisir à bon Dieu, ou qu'a fait plaisir à monde qui en rouleau dans l'armée ça. C'est un appel à la souffrance. C'est un appel bien-aimé à embrasser la souffrance. Si moi tourne dans Jacques, j'ai l'impression Paul a dit même bagaille que Jacques t'a dit, mais en d'autres termes. Pas oublier, Jacques l'a dit lui-même dans Jacques 1er, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Regardez comme un sujet de joie complète. Ça, c'est Jacques. Paul lui-même a dit Timothée, souffris avec moi. Souffris avec moi. L'homme combiné Jacques avec Paul, j'ai l'impression quelque part, par rapport à la question souffrance, non, yo sous même ligne, yo dans même direction. Souffrance pour le chrétien, c'est pas un bagage où fait face, comme s'il est tombé sous vous, ou par contre côté le sauté. Souffrance dans les gains ont sens. Le chrétien, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas moun sa qui toujours a cherché éviter souffrance, chercher technique spirituelle pour éviter souffrance. Le chrétien n'est pas celui qui est toujours en quête de stratégie d'évitement de la souffrance. Et ça, bien-aimé, est important pour moi-même avec vous comprendre. La vie, nous, en tant que chrétien, c'est pas une vie comme si toute stratégie qui gagnait nous était qu'à mettre en place pour nous éviter souffrance, n'a mettez en place. Stratégie tant coup fait jeûne, stratégie tant coup et regardez et fermez quand nous en côté pour nous pas exposer avec monde là, pour ne pas prendre en souffrance monde là. Nous pas chercher bien-aimé noyer souffrance. Stratégie tant coup vive non négation de ça qui existait comme réalité de souffrance. Le chrétien, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est moun sa qui campait face à face à souffrance, qui gagne devant souffrance une attitude courageuse pour le camper devant souffrance, pour l'embrasser selon volonté bon Dieu pour lui. Et ça m'a donné la moins conscient que le pas facile. Ma pensé à un maman qui est petite li malade, qui éventuellement fait face à un très très mauvais pronostic sous la vie petite là. Comment qu'a dit maman ça pour l'accepter avec courage? Souffrance ça, li pas un bagage qui est évident. Peut-être même pour aller plus loin avec force courage, il pas capable. Li pas capable. Cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, yon nan bagay la Bible pap di maman sa fait, c'est pour aller chercher toute stratégie gagnée pour l'éviter, ça le pas ka contrôler. Ça la Bible pap di, c'est pour le connaître souffrance tan gon cause et tendre
avec empressement, fin ultime, souffrant ça. Oh, c'est un bagage qui est difficile. C'est un bagage qui est difficile. Cependant, j'ai l'impression, appel Christ, là, c'est exactement même appel l'en lié. Dans le troisième texte, moi, t'ai lu pour vous, bien-aimé, Matthieu 16, verset 24, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a parlé. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a parlé, qui a dit, bien-aimé, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a une souffrance ou fait face, naturellement, tendance c'est à jeter l'éponge, tendance c'est à quitter ça. Cependant, l'entend des voix maintenant, sous-tend des appels maintenant, Kabzou vient marcher avec moi dans cette communauté de souffrance. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur Jésus, il était fait face à souffrance mondelant tout. Il n'est pas obligé de faire face à souffrance mondelant, bien-aimé. Parce que lui-même, il n'est pas de jambes péché. Mais puisque il était accepté pour lui incarner dans le temps, pour lui incarner dans l'espace, pour lui venir prendre commune, pour lui venir prendre nature ça, même s'il n'est pas de jambes péché, c'est accepter, lui accepter pour le porter conséquence péché à tout. Jésus-Christ pas supposé mourir, il pas supposé connaître toute ça, il était connaît pour moi yo, pour moi yo. Il pas supposé connaître toute au mépris, il était connaît yo. Cependant, parce qu'il t'a accepté vienne marcher dans condition nous en tant que monde, il était accepté tout porter conséquence péché à. Même si lui-même, encore une fois, il n'y a pas de jambes péché. C'est dans cette communauté de souffrance, bien-aimée, le Seigneur m'a demandé nous marcher. Qui sans souffrance gagne en vie chrétien? Hein? Premièrement, souffrance fait chrétien en songer. Souffrance fait chrétien en songer que gagne un monde qui peut venir. Côté souffrance, pas exister. Souffrance, dans ce sens-là, il gagne une valeur de rédemption. Souffrance, dans ce sens-là, il fait nous pas attacher complètement à bagaille ici-bas. Souffrance, dans ce sens-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont piqûres de rappel pour dire nous, pas installer nous trop confortablement. Pas installer nous trop confortablement. Nous ka mouté yon ti tante nan monde sa. Mais mouté ti tante lan de façon pour nous connaître nan pas longtemps, n'ap gen pour nous plier bagage. Nan pas longtemps, n'ap gen pour nous quitter ça. Nan pas longtemps, n'ap gen pour nous aller nan demeure éternelle nous. Souffrance lan c'est piqûre ça qui fait nous songer même si nous ta gen impression des bagages qui bon n'a joui mais pas jamais oublié monde n'a vivant son monde de souffrance pas jamais oublié gon meilleur monde qui gagne pour venir bien-aimé. La souffrance dans la vie du chrétien lycée yon on piqûre pour rappeler que désir premier li doit gagner c'est de désir permanent de Dieu. Il doit avoir un désir pour le retour du Seigneur. Parce que c'est seulement avec le retour de Jésus-Christ que souffrance a aboli complètement dans le monde. Ça. Donc, premier élément, bien aimé, pas tarément raté. Cause souffrance, non, c'est le péché de façon générale. Après, il peut avoir plusieurs types de manifestations. Il peut avoir manifestations tragédie naturelle. Acte criminel, yon moun posé son lot, accident de parcours, sentiment de rejet, perte de santé possédée matériellement, perte de estime ou gagné en tête. Tout ça, yo, c'est de combinaison de formes de manifestation de la souffrance.
Cependant, yo tout yo gen yon même racine. Racine yo, c'est le péché. Maintenant, sort de konnen, puisque racine yo, c'est le péché, puisque racine yo, c'est le malin, gon le ka privé. Oh, puissance péché pour annuler complètement. Donc, le souffrance yo vini, considéré yo, tant kou yon rappel, que gon moment yo va passer. Considérez autant qu'on rappelle que nous-mêmes, nous seulement, gagnons petite tente en attendant ici-bas, mais demeure éternel nous, pas ici-bas. C'est vrai, dépendamment de souffrance dans mes bien-aimés, ou qu'a gagné un désir, une volonté pour chercher justice, souffrance non. Li gen droit, li vini manifester en jan, et meilleure façon pour faire face avec li, c'est ta joindre justice. Et la parole de Dieu pa gen anyen contre yon quête de justice. Yon moun par exemple, qui t'a perdu un être cher parce que c'est un lot qui t'a assassiné, parce que c'est un moun qui t'a fait yon bagay, li pa contraire à la parole de Dieu pour chercher justice. La parole de Dieu dans le livre de Jérémie et les chrétiens ont des térébènes de la justice. En d'autres termes, dans bon créole, son pied m'a pour justice. Nous devons camper pour la justice. Si nous ka joindre temporairement yon justice pour yon moun nou qui victime de yon bagay, eh bien gen autorité qui établit pour ça. Mais oui, le chrétien li gen droit pour chercher justice. Là, m'a parlé de justice pénale. Oui, si ou victime de yon bagay. Bon Dieu établi de autorité dans pays kotoye. Hein? Ou yon se bay justice. Se pa yon bagay ki optionnel. Yon pa ka choisi passer justice en bas pied. C'est ça que fait le chrétien, c'est un moun tout qui est engagé pour la justice. Justice là, cependant, faut qu'on comprenne qui s'allie tant qu'on vive sous terre ça. C'est une petite satisfaction temporaire. C'est une petite satisfaction temporaire. Grande quête de justice chrétien, hein? C'est la justice permanente qui a vini avec établissement royaume bon Dieu. Oui, encore une fois, bien-aimés, certainement, en tant que chrétiens, nous devons chercher justice. Si nous avons l'impression, nous-mêmes, nous victimes de yon acte criminel, d'un acte d'injustice, yon famille nous, yon ami nous, yon frère nous, yon voisin nous, les victimes de yon acte d'injustice, nous avons le devoir pour nous camper pour la justice. Nous avons parlé de justice pénale, mais il n'y a pas que la justice pénale. Il y a la justice sociale. Géon gens y a maltraité moun. Géon gens y a discriminé, fait discrimination contre moun. Le chrétien li pa ka ferme yeux sou bagay sa yo parce que li c'est un moun qui voulait camper pour la justice. Chrétien gon devoir sous toute forme d'injustice pour le camper pour le dire non. Nan pays nou Ayiti gran pile injustice sociale. Moun yo a vive nan misère. Moun yo a vive dans conditions infrahumaines. Nous autres chrétiens, nous avons une responsabilité. Faut que nous camper contre l'injustice sous toute forme. Qu'on camper contre l'injustice. Cependant, pas j'en oublier, bien-aimé. Ça qui a passé sous terre, là, seulement ça nous cajoune la donne, c'est une petite satisfaction temporaire. Temporaire. Justice n'a besoin de souterrain, li pa jam annulé et fait péché. On me dit encore parce que li fondamental. Justice n'a besoin de souterrain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Li pa jam capable annuler et fait péché. Et sou pas annuler et fait péché, a toujours gain injustice. A toujours gain injustice. Ça pa veut dire pour pas bataille contre injustice temporairement. Ça veut dire tout simplement pas perdu perspective ou pendant une bataille contre l'injustice temporairement, faut qu'on clair dans tête ou que la justice a établi
seulement le royaume bon Dieu établi. Et c'est ça qui fait, bien aimé, moi-même avec vous, désir fondamental nous, c'est la venue du royaume de Dieu. C'est la venue du royaume de Dieu. Souffrance sur dans la vie nous, c'est une piqûre de rappel pour dire nous, eh bien, relez bon Dieu, mandez bon Dieu pour royaume les vini. C'est la fameuse prière de notre Père. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, trop injustice. Nous avons gagné quelques victoires temporaires sur l'injustice. Mais effet péché, hein, Seigneur, c'est ou même seulement qu'à venir annuler. Vini, Seigneur, vini établir règne. Souffrance dans la vie chrétienne, hein, c'est effet ça les gagner. Les rappeler, nous, que ici-bas, c'est pas là n'a passé éternité. Gagne un nouveau monde qui pour établir. Oh, dans le livre d'Apocalypse, Jean l'apôtre nous donne cette vision de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Côté ces royaumes bon Dieu qu'a établi, côté toute malfaisance a fini, toute injustice, toute discrimination, tout mépris, toute bagaille ça va finir. C'est le ça seulement et fait péché n'a pas annulé dans le monde là. C'est le ça seulement n'a pas connu ça nous relait la justice de Dieu éternellement. Encore une fois, le chrétien face à la souffrance, l'y accepter comme si c'est ton bagage qui était agréable. Jacques 1er, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. De Timothée 2, verset 3 à 7. Paul dit à Timothée, son fils spirituel, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Matthieu 16, verset 24, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous le dit clairement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous autres, en tant que chrétiens, nous exposer tout à souffrance. Sauf que dans la vie, nous, souffrance là, nous gagnons sens. Sans souffrance là, c'est rappeler nous que nous pas la caille nous. Nous pas qu'à comporter nous comme si nous t'es venu pour nous rester. Nous de passage, dresser t'y tente là, mais pas oublier. Ou pas besoin de gros muraille, ou pas besoin de gros ciment. Parce que faut qu'on prêt, le pour défaite t'y tente là, pour ne pas prendre trop de temps. Toujours prêt pour aller dans demeure éternelle. Demeure côté toute souffrance à Kaba. C'est sous ça que je veux encourager aujourd'hui à bien-aimer. Je vous encourage encore une fois. Restez dans les bras du Seigneur. Souffrance n'est pas facile. Mais l'or était connecté. Le Seigneur lui-même l'a beau force au moyen de son Saint-Esprit pour faire face à toutes sortes d'épreuves. Qu'il en soit ainsi. Et que le Seigneur vous bénisse. J'en ai annoncé au lit au départ. Nous allons prier pour Timounio qui prend l'école. Nous vivons dans un monde très troublé. Timounio est exposé, bien aimé. Nous allons demander bon Dieu faveur seulement. Dédouli, nous-mêmes tout, en tant que chrétiens, petit nous qu'a exposé tout. C'est ça qui fait nous demander bon Dieu faveur, grâce, pour le couvrir Timounio. Dans le pays ça, nous vivons, les États-Unis d'Amérique, en pile bagay kap passé. La police pas toujours capable bay sécurité. Mais nous connaît, nous ka recevoir grâce spéciale nan men bon Dieu pour le couvrir ti moun nou yo. Nous pral prier pour yo. Si ou même ou pas gen ti moun, c'est pas grave. Mais pensez à petit yon lot. Pensez à petit yon sœur, yon frère. Pensez à petit yon membre nan famille. Pensez à petit yon cousin, yon cousine, yon voisin. Et intercéder pour yo. Dis Seigneur, cache ti moun yo. Fais yo grâce. Protégez yo physiquement et tout protégez au Seigneur mentalement. Parce que souvent nous qu'on fait erreur bien-aimé, nous penser le ti moun yo aller physiquement, yo retourner bien physiquement, tout bagay OK. Mais souvent c'est dans mental yo. Bagay a fait qui qu'on dévasté par la suite la vie ti moun yo. Donc
nous pas seulement prier pour physique yo, n'a prier tout pour bon Dieu préserver mental yo. Il y a de vieux enseignements de Yahwa, il y a de mauvaises compagnies de Yahwa, il y a toute qualité bagay ti moun yo attendé, toute qualité bagay pendant l'école là yo gen droit même garder sans nous même parents nous pas connaît. On va dire Seigneur, mettons espèce de bouclier pour protéger ti moun nou yo physiquement et mentalement. Physiquement et mentalement. En d'autres termes, ça veut dire corps yo, émotion yo, psychologie yo, morale yo, pour bon Dieu protéger yo du tout autour. Ces supplications, ça nous pourra le présenter devant Seigneur dans mon ensemble. Inclinons le côté hier, sous chambre la calme. Et ensemble, nous pourrons lever cœur devant le trône de la grâce. Merci Seigneur. Oui Seigneur, c'est vous-même qui dit nous la parole pour nous présenter supplications nous devant. Pour rappeler nous Seigneur que tant que nous vivons dans le monde, nous-mêmes tout nous exposer. Nous exposer Seigneur Dieu à effet péché qui gagne qu'à régner dans le monde. Et parce que nous comprenons ça Seigneur, nous venons nous présenter devant avec une supplication spéciale. Dans le moment que Timon nous y a retourné dans l'école. Nous connaissons Seigneur Dieu, il y a un monde là. Il a exposé Seigneur Dieu à tout ça qui gagne. Corps physique il a exposé, l'esprit il a exposé. Nous venons Seigneur Dieu donc, demandons une grâce spéciale. Nous venons demander s'il te plaît Père, mettez bouclier là dans la vie. Mettez Seigneur Dieu autour de yo comme une sorte d'enveloppe cachée au Seigneur. Cachez l'esprit yo. Par rapport à ça yo qu'attendez, par rapport à ça yo ka wè, par rapport Seigneur Dieu à sa corps yo ka exposé. Par rapport à toute mauvaise influence qui gagne autour de yo. Nous vous demandons faveur, ça, s'il te plaît, Père. Pitié tout yo, Seigneur Dieu, yo pas gagné l'autre coup. Nous connaissons, Seigneur Dieu, ou même ou capable. Nous connaissons, ou même, Seigneur Dieu, ou pas limité. Ou te gagné victoire sur le péché. Péché, pas gagné influence sur vous. Ou capable, Seigneur. Fais ça nous-mêmes, nous pas qu'à faire. Nous venons laguer, Seigneur Dieu, chaque petit monde qui a retourné l'école dans la mer. Seigneur Dieu, parents, ils n'ont pas gagné temps pour contrôler. Même là, ils sont rentrés dans le cas, ils sont livrés à eux-mêmes. Parce que, Seigneur Dieu, parents, doivent aller chercher pain la vie pour eux. Mais même là, ils sont dans le cas pour contrôler. Nous comptons sous grâce au Seigneur. Nous demandons d'instiller dans le petit monde. Une sainte crainte de ton nom. Instillé dans la vie, yo, dans l'esprit, yo, l'amour, Seigneur Dieu, pour vous-même. Même si vous n'avez pas qu'à expliquer, même si vous n'avez pas qu'à comprendre, ni, mais vous avez trouvé tout simplement l'innaturel, gain de bagaille, vous n'avez pas qu'à faire, Seigneur. Gain de conversation, vous n'avez pas qu'à participer à la donne. Gain de bagaille qui sonne mal dans les oreilles, vous n'avez pas qu'à accepter, continuer, tendre, Seigneur. Seigneur, avant même de comprendre, nous demandons, fais présence dans la vie, fais que c'est difficile pour supporter les choses du monde, toute attache qui est dans le monde, toute mauvaise compagnie qui est dans le monde, ça, Seigneur. Fais que présence dans la vie, avant même que tu comprennes, fais que toute bagaille ça est insupportable pour les personnes. Seigneur, gagne qui peut aller. Qu'à retourner l'école, mais parents ont gagné toute forme d'anxiété. En particulier, ça qui est malade, qui fait face à un problème quelconque, psychologiquement, physiquement. Maman, nous, s'il te plaît, Père Saint, fais grâce. Fais grâce. Ce sont grâces ou seulement nous compter. Tu as été pour nous un appui sûr. Depuis des années, tu as été pour nous un refuge.
nous pas fin fait toute route ça avec nous Seigneur pour la guerre nous connia c'est son nous compter c'est son seulement nous compter Seigneur c'est l'aventure Père Saint t'a gagné un monde qui a fait prière ça qui voulait décourager demande nous renouveler Seigneur Dieu force renouveler l'esprit au beau milieu Seigneur Dieu de souffrance yo au milieu d'épreuves yo fais-lui ouais gloire souvent Seigneur Dieu aurait même manifesté au nom dans moment souffrance nous et bien nous compter sur nous pour continuer au même Seigneur utiliser souffrance yo pour faire nous ouais gloire pas quitter yo vain dans la vie pas quitter nous souffrir vainement sans nous pas comprendre sans souffrance là. Même Jean l'apôtre Jacques dit nous de nous comprendre, Seigneur Dieu, n'a qu'à embrasser tant que mon sujet de joie. Tes prières, mon Père, tant des prières, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, pitié toi nos prières. Amen. Et Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Sois capable de partager ce moment ça. Fais en l'autre tant des messages ça. Son moment d'évangélisation lié tout. Et le Seigneur a multiplié. La fait grandir œuvre ça que moi-même avec vous n'a poté ensemble. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse.